Vous êtes déjà allé à Paris, il y a des tapis roulants à Paris dans le métro, et donc vous marchez du coup plus vite, et eux, ils avancent comme ça. Donc, comme les escalators, là, mais voilà, ils avancent, et forcément, ils sont en train de se rejoindre. Et il y a une belle lumière au bout, et c'est... J'ai cette sensation vraiment d'effacement du temps. Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors, je vais aller voir au niveau de la physique quantique, la science quantique, et il se passe quelque chose. Là, je le sens très fort. Voilà. Bon, hein, tu prends ce que tu veux. C'est juste mon ressenti, une vision et rien d'autre. Hein. Donc, t'y attaches pas, mais c'est très rare chez moi pour que j'ai ça. Là, c'est très fort. Donc, je te le partage. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a une dernière carte, s'il vous plaît, en conclusion de ce tirage avec l'oracle de la Triade pour le masculin sacré et le féminin sacré. Une petite dernière. On arrive à la fin, ça fait plus. Ah si. Bah regarde. Il y a une notion ici d'égalité, d'équité. On est égal à égal. Et le masculin va vers ça aussi, parce que peut-être qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Hein, il y en a qui ne se sentaient pas à la hauteur de leur féminine, parce que pour eux, elle est magnifique. Hein. Et un masculin, il a toujours besoin de bien mettre les choses en place dans sa vie, que tout soit bien en place, parfait, avant de rejoindre celle qui est vraiment celle de son cœur. Avant de rejoindre son autre, celle qu'il aime. Et on a un équilibre du yin et du yang ici. Une harmonie. Voilà. Bon, j'ai envie d'en tirer une autre. Enfin, je vais m'arrêter après quand même. Ça ne m'inspire pas la finalité, ça. Alors, je continue. Ben oui. Oh, ben regarde. T'as entendu le bruit des cartes, hein, qui se sont éjectées. Et regarde ce que je viens de sortir. Mais c'est pas beau ça. Le retour. Alors, le retour vers l'amour. Le retour vers l'amour de soi. Et je te parlais des deux qui se rejoignaient. Ben, c'est ça, c'est le retour. On se retrouve. Hein. À un moment donné, on était ici, là. Hein. Imagine le masculin sacré ici. Toi ici. Hein. Ton autre ici. Toi ici. Forcément, là, il y a un éloignement. Il hein. y en a un qui est. Et au bout d'un moment, moi, je dis qu'il se. À un moment donné, il y en a un qui suivait l'autre, l'autre qui continuait. Hein. Il y en a un qui chassait l'autre, l'autre qui fuyait l'autre. Voilà. Et c'est en boucle rond. Mais là, c'est comme si cette carte-là du temps me fait penser, je te dis, juste tout ce qui me passe par la tête, ça ne veut pas dire que c'est ça. Hein. Mais ce que je t'ai raconté avec le temps me fait penser qu'il y a eu un arrêt ici. Qu'à un moment donné, les deux se sont arrêtés ici et les deux ont regardé dans la même direction. Et du coup, ils sont en train d'y aller. Ils sont en train d'y aller là et ils vont se rejoindre. Voilà. Le retour, pour moi, je pourrais dire, bah oui, il y a un retour du masculin sacré vers sa féminine. Oui, c'est vrai. Mais il y a d'abord un retour vers l'amour de soi ici. Ce que j'ai ressenti en premier, c'est ça. C'est vraiment un retour vers l'amour de lui-même. Parce que n'oublie pas que il y a énormément de culpabilité chez lui. Énormément de culpabilité. Qu'il y a encore un chemin, un bout de chemin à parcourir avec des choses à régler. Mais il a la sagesse pour le faire. Et le nouveau commencement, c'est ça, hein? Le nouveau commencement, il termine le chemin tous les deux. Le masculin sacré et le féminin sacré arrivent en fin de parcours, terminent et ont la sagesse parce qu'ils ont la connaissance aussi. Elle est où la connaissance? Elle est là, je vais y arriver. Il y a eu tout ce travail de fait, la connaissance par le travail qui a été effectué, le travail intérieur qui a été effectué. Voilà, pour aller au-delà des épreuves. Et on te disait tout à l'heure que. Il manque une carte. Voilà, on arrive à la fin des temps. Et la paix est au bout du chemin. Et c'est plus très très c'est pas dans longtemps. Là, c'est dans les énergies, donc ça va arriver. C'est en cours, bien sûr, on te dit encore un peu de temps, mais c'est en cours.
Moi, j'entends même plus patience. J'entends même plus patience, quoi. C'est non, c'est sois sereine. T'as plus besoin de patience maintenant. Maintenant, tu sais, sois sereine. Tu sais que de toute façon, il est en train de revenir vers toi, mais que toi, t'es en train d'aller vers lui. Parce que c'est bien beau s'il revient vers toi, mais que toi, t'es pas prête à le recevoir, ça sert à rien. Là, ce que je ressens, c'est que ce sont les deux. Et les deux, justement, par le fait que le féminin sacré et le masculin sacré savent tous les deux qui ils sont l'un pour l'autre. Maintenant, c'est même plus une certitude. Ils savent au fond d'eux, tu sais au fond de toi. Tu le sais au fond de toi. Malgré les apparences, malgré les illusions, malgré les doutes, tu le sais au fond de toi. Et d'ailleurs, la carte du doute, elle n'est pas tombée là. Voilà. Et on arrive. Voilà. L'amour est là. L'amour est là. Hop. On retrouve un équilibre. Et cet équilibre-là, une égalité, une équité, une harmonie permet justement ce retour. Et ce que je ressentais ici, là, c'était un tirage pour le masculin sacré. Ouf, voilà, elles sont belles ces cartes, hein. Mais pour moi, je ressentais beaucoup la féminine. Et d'ailleurs, elle est sortie, elle est là, hein. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que c'est un travail des deux. Et que là, j'ai l'impression que les deux sont vraiment en train de... Là, il y a vraiment, je ressens beaucoup que les deux cheminent ensemble, main dans la main. Ouais. Et que les deux terminent les derniers nettoyages. Je pense qu'on arrive à la fin, là, j'ai... Ouais. Ouais, non. Ça sort plus, on va arrêter là. Je vais te donner une dernière carte avec les portes de l'intuition. Alors, un message pour le masculin sacré, un message pour le féminin sacré. S'il vous plaît, merci. Allez, un message. Alors moi, tu vois, je tire les cartes de manière très libre. Je prends mon paquet, je bats les cartes. Hop là. Allez, un message pour le masculin sacré. S'il vous plaît, les cartes sont plus grandes. Allez. Message pour masculin. Oui, ça y est. Ben, j'en ai eu deux. J'ai la clé. Alors, il a encore de nouveau la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et tu vois, ça rejoint vraiment ici. La clé ici. La clé, c'est de faire tomber, voilà, le masque, de voir tout son potentiel, la belle personne qu'il est. C'est ça la clé. Et d'arrêter de se culpabiliser. Voilà quel était ce message. Pour aller vers le nouveau commencement, hein, l'alpha. Et soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Et voilà, ça rappelle encore le fait que, voilà, qu'il arrête de se culpabiliser. Et peut-être que ça te parle toi aussi, à toi. Alors maintenant, on va avoir une carte pour toi. Message. Oups, bah c'est sorti de suite, regarde. Et c'est le pont du futur, si c'est pas beau. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée. Avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Alors, pense au meilleur, reste positive, féminine. Et il n'y a que du bon qui arrive, donc reste sereine. Sois confiante, relie-toi à l'intérieur de toi, sens ça, sens-le parce que tu le sais déjà. Et n'en doute pas. Voilà, j'arrête là. Je te souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée. Et aie confiance parce que là, il y a quelque chose qui est vraiment en train de se faire, qui est vraiment en train de bouger. Et de toute façon, si c'est une relation sacrée, dans tous les cas, tu retrouves ton autre. Dans tous les cas, tu le retrouves. Voilà, si tu as... T'as travaillé sur toi, t'as dégagé, t'as fait le ménage à l'intérieur de toi, que tu t'es relié à toi. Et lui, il est en train de faire de même parce que tu le fais. Il n'y a aucun doute là-dessus. À un moment donné, ressens ça en toi. Ressens-le à l'intérieur. Attention, je parle d'une relation sacrée avec des connexions énergétiques. Enfin, voilà, je ne vais pas en parler. Il y a suffisamment de vidéos sur YouTube sur les flammes jumelles par rapport à ça qui en parlent. Je te souhaite de passer un beau moment. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, demain.
Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Tu peux lire tout ce qu'il y a dans la description sous la vidéo. Si tu veux une guidance personnelle, c'est le sacré féminin sans accent tout attaché @gmail.com. C'est sous la vidéo dans la description. Tu peux rejoindre le groupe Facebook Le Sacré Féminin et aussi retrouver d'autres tirages avec d'autres jeux sur SoundCloud. Tous les liens sont sous la vidéo. Je te remercie beaucoup. À bientôt.